Alors, j'avais un petit problème avec LTSpice. Donc, en fait, c'était comment tracer la résistance qu'on appelle RDSON, ici, donc entre drain et source, d'un transistor JFET, en fonction de la tension VGS et pour une tension d'alimentation, par exemple, donnée, 15 volts ici. Bon, j'ai mis une résistance ici de 15K. Comme ça, c'est facile. On a 15 et 15. Voilà, donc on sait qu'on aura au maximum 1 milliampère. Alors, le problème, c'est que si on fait, voilà, pour tracer la résistance, on ne peut pas en fait. On a les LTSpice nous donne un certain nombre de valeurs qui peuvent être suivies sur la courbe. Par exemple ici le VDS. Et connaissant le avec le VDS et le courant dans le drain, on pourrait déduire la résistance. Mais bon, c'est pas très élégant. Donc voilà, ici j'ai le VDS. Le VDS en fonction de la tension ici VGS qui varie de moins 1,8 à 0. Voilà, on a donc une valeur pour chaque VGS. On a une valeur ici. Alors là, je l'ai en volts. Hein. J'ai en volts. Voilà, et moi, ce qui m'intéresse, c'est la résistance. Je connais la tension, je connais le courant, je peux déduire la résistance. Mais moi, je voudrais l'avoir sur le graphe directement. Alors, j'ai trouvé la solution, en fait. Voilà, je vais dans le graphe. J'appelle. Et là, en fait, c'est écrit ici. Voilà. Alt double click to enter an expression. Donc, j'appuie sur Alt et je fais un double clic. Voilà, et là maintenant je vais mettre mon expression. Alors, bien entendu, loi d'Ohm. Donc ici, RDSON, donc c'est V, DS, divisé des VDS, pardon, divisé AA. Recommence. Voilà. V de VTS que je vais diviser par le courant de drain. I D de J1. OK. Je clique, je fais OK. Voilà. Et j'ai mon RDSON en fonction de VGS. Pour le montage que vous avez vu. Voilà, j'ai ma solution. Donc finalement, elle est très 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 simple.